Voilà, tu as Valès. Alors aujourd'hui, activité sportive. On est prêt à faire une activité très à la mode qui avait un peu une mauvaise réputation au départ parce qu'on est méconnue et qui en fait lie l'artistique et le sportif. Allez, dis-nous. Ah, c'est la pole dance. Pole dance aujourd'hui. Je pense qu'on va souffrir. Moi, j'en ai jamais fait, mais alors rien du tout. On va changer ? Allez, on y va. On se change. 1, 2, 3. Allez, une heure de cours. C'est parti.
few moments later. Donc, elle est graveur. Donc, il y a la directrice de l'école de pole dance. Donc, depuis combien de temps Donc, depuis octobre 2014. D'accord. Donc, ça va faire en fêter nos 3 ans. Il y a des garçons qui font du pole dance, alors il y avait un garçon dans le cours là. Ouais. On en a quelques-uns, on doit en avoir, bon, c'est pas énorme, hein. Ouais. On en a je pense 3-4, mais ouais, ils sont bien accros aussi. Hein. Puis en plus c'est fun, oui. C'est-à-dire qu'on fait du sport, oui, je pense que les combattants vont arriver demain, on se rend pas trop compte sur le coup, on se rend compte qu'on fait un effort, mais il y a une bonne ambiance. 12 seconds later. Et voilà, on a fini. C'est fait pour la pole dance. Donc ben ça fait super mal aux doigts. Franchement ouais, mal aux articulations, mal partout, mal à la peau, mal aux muscles. C'était vraiment super final, dur. Ouais, on croit que c'est facile en fait, non. Pas du tout facile. Mais très 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 sympa. Voilà, on travaille la force, la souplesse, toujours le gainage. Et ça fait du bien aussi. Ouais, on était à un cours de débutants et franchement, ce qui était super sympa, c'est qu'il y avait toutes les morphologies. Il y avait même un garçon qui était là, qui était super fort. Il y en avait qui étaient un petit peu enrobés, d'autres super fins, d'autres super musclés. Il y avait tous les profils et ils étaient tous super forts. Donc n'hésitez pas à essayer, quel que soit votre morphotype, c'est vraiment accessible à tout le monde. Comme les enfants, à partir de 10 ans, comme nous a dit Déborah, c'est plus facile pour eux-mêmes. On était avec MZ qui était notre prof aujourd'hui et elle était vraiment très gentille. Très pédagogue, très patiente. Elle n'hésitait pas à répéter, à nous les expliquer, à nous montrer. Voilà, parce qu'il faut savoir quand même qu'elle nous a montré les bases. C'était déjà assez dur. C'était assez dur, mais on a quand même réussi. C'était accessible finalement. Oui, tout à fait. Et à savoir que la salle de pole dance aussi propose d'autres disciplines. Oui, du tissu aérien et du hamac. J'en ai fait un an et j'ai adoré. Et je préfère largement la sensation du tissu que de la barre, mais ça c'est propre à chacun. Il y a aussi du cerceau aérien, donc plusieurs agrès à découvrir et à venir tester dans toutes les salles, soit de pole dance, soit d'école de cirque aussi. On n'y pense pas, mais il y a des écoles de cirque qui proposent tout ce qui est sport aérien. Donc au final, le pole dance, c'est quand même une discipline avec plein de a priori. C'est du sexy, c'est connoté, mais vraiment... Ça se démocratise de plus en plus, c'est une discipline très... athlétique et très artistique. Vraiment une discipline que je me verrais bien pratiquer toute l'année. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment un vrai sport. Voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Merci pour les pouces bleus, les gens. Les abonnements aussi. Et abonnez-vous, ça serait bien. On aimerait bien atteindre les 50 abonnés à la fin de cette vidéo là. Vraiment, abonnez-vous et partagez les vidéos si elles vous plaisent et même si elles vous plaisent pas. Enfin, quand même. Donc on se retrouve la semaine prochaine, toujours jeudi. Nous sommes Aurélie et Alita et on vous dit à très bientôt. Hasta pronto. Bye peeps.